là, je découvre Assassin's Creed Chronicle China. Alors, un dernier survivant, Shao Jun, et ça fait cette sous-ordre de ils ont eu un repère d'autrefois, dirigé à la vue un artefact américain qui. Alors, j'y connais rien en Assassin's Creed, donc là, il y a peut-être plein de références. Oh, j'aime bien, c'est du dessiné un peu comme dans Guild Wars. Dans Guild Wars 2, il y a un peu ce même coup de crayon, j'aime beaucoup. We know who you are. We know who you were. You've come far for someone who was merely once a concubine. I will ask you again, assassin. What is this box? Okay. Where did it come from and what is its purpose? Why continue to resist us? Look around you. No one is coming. We wiped out your order. There is no escape from here. Why would I want to escape? I am exactly where I want to be. Such arrogance! Ma Yongcheng will make you talk. Let him try. No wonder your kind fell so far. My kind isn't done yet. Eh bien, bonsoir Andro, je comptais passer sur ton stream, mais Assassin's Creed, c'est pas trop mon kiff. Mais en fait, le seul problème, c'est que je découvre, là, en fait. Je vais repartir après, peut-être, sur This War of Mine, mais je ne peux pas faire du League of Legends. En tout cas, pas sérieusement. C'est-à-dire, peut-être, on fera des Aram, des choses comme ça. Mais ce soir, je risque d'avoir un stream un tout petit peu... avec des coupures et tout, un peu imprévues. Donc, je voulais pas me lancer soit dans des classés, soit même dans le Bronze Land... Bronze Island, ou je ne sais pas comment dire, que j'essaie d'organiser. Je veux pas ruiner des games en fait, aussi bien pour vous que pour moi, puis pour que ce soit pas chiant pour d'autres gens que je ne connais pas sur internet. Donc là, je vais regarder Assassin's Creed qu'on m'a offert, j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Et voilà, donc alors la fuite après sa capture, on doit s'échapper de cette cage et récupérer son équipement. Ce serait assez simple, mais c'est aussi en tant que de Gaofeng pour commencer. Donc j'aurai une santé accrue, sauver, ok. Time to get out of this cage. Temps de sortir de cette cage. Alors comment on fait? Alors, D. Donc pour l'instant c'est assez didactique. Ok. Ça c'est pour sauter. Ok. Ok. Alors, faut que je joue à la main gauche hein, parce que. Ok, on part sur le haut. Il dispose de cônes de perception. C'est qui? Je suis là, les piétons. Lumière jaune, pied non. Ah, c'est triste. Les traces rouges te montrent le chemin. Les traces rouges. Pour l'instant, je vois pas de traces rouges, mais... peut-être un peu plus tard. Ah oui, d'accord. Sauter. Je peux me laisser tomber comme une merde aussi, non? Hop. C'est pour se laisser tomber comme une merde. Z. Ah oui, donc les traces rouges, là, c'est des espèces de marques au sol, en début de... Pour changer de plan, appuyez sur Z. C'est pas trop compliqué. En tout cas, l'ambiance
sauver. Trouver une dague à corde. Alors, peut-être qu'il fallait que je sauve un des mecs, c'est ça? Comment je fais pour sauver les mecs? Bon, on va avancer, ça doit être plus loin. Alors, est-ce que je peux sauter? Ah. Ah oui, d'accord, je peux sauter que quand il y a des obstacles en fait. C'est la fin de ta quête de le sauver. Ah, ok. Hop. Je peux pas monter là-haut? Je suis obligé de pouvoir monter là-haut, non? Non? Pour aller. C'est quoi, c'est. C'est quoi? C'est très pratique cette petite application de League of Legends. Yondro, sa page, je t'avais jamais vu stream autre chose que du LOL, c'est plutôt cool, tu viens de l'acheter, c'est ça, raconte un peu. Coucou Casio, alors, ça fait longtemps que t'es pas venu sur le stream. Déjà, ce n'est pas bien. Mais je vais te raconter parce que ça va te faire très plaisir, puisque justement j'ai eu l'occasion de pouvoir tester et de streamer différents jeux depuis quelques temps. Alors depuis le temps que t'es pas venu, il faut que je te raconte tout. C'est-à-dire que j'ai laissé tomber mon ordinateur portable, je suis revenu sur ma tour, j'ai récupéré une alimentation pour mon écran, mon bel écran dont je parlais souvent, machin, etc. Donc là j'ai un vrai bel écran avec mon écran secondaire à côté, donc tout bien. Je stream sur OBS depuis hier, donc c'est-à-dire que je suis en 1080p, j'ai le son qui revient de là parce qu'en fait j'avais dû passer sur le son de la webcam parce que XSplit déconnait un peu. Donc je suis de nouveau avec un son correct, on va dire, en attendant d'avoir un Razer Chroma que j'ai pu me payer en partie avec les dons des viewers, parce qu'il était sur le Vendu Diable à 59€ et j'avais cumulé depuis un an à peu près 30€ de dons des viewers. Donc voilà, ça m'a fait... un chroma au lieu d'être à 100€, je l'ai payé au final 30€ avec les frais de port. Donc ce qui fait que j'aurais plus d'ici 15 jours, 3 semaines, j'aurais plus le problème de au bout d'une demi-heure de stream, j'ai plus d'oreilles, j'ai plus de tête, parce que là ça fait, on se rend pas compte, mais ça fait super mal en fait. Comme c'est des toutes petites oreilles, ça prend pas du tout. Attendez, je vais essayer de le montrer. Enfin bon bref, en gros ça appuie sur l'oreille, ça fait. Là, en grossissant, j'ai mon oreille comme ça et ça fait comme ça. Donc, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes de stream, j'ai les oreilles défoncées. Ça fait super mal. Ouais, donc, je vais être confortable et tout. Et donc, j'ai streamé parce qu'il y a Elora qui m'a offert plusieurs jeux. Life is Strange, épisode 1, je l'ai fini. Il faudra que j'achète les autres. This One of Mine, que je streamais relativement régulièrement parce que c'est pas simple. J'aimerais bien arriver à progresser, à le finir tout simplement une fois. J'ai également, elle m'a offert également Assassin's Creed China Chronicle, qui est celui-là. J'ai aussi XCOM et Newman, toujours Elora. Elle m'a fait un gros pack de jeux. Donc là, le problème que j'avais sur mon portable, c'est que je n'avais pas assez d'espace disque. Et sur cet ordinateur fixe-là, j'ai de l'espace disque. Donc je vais pouvoir streamer d'autres jeux en fonction de mon humeur, en fonction des demandes. Enfin, je ne pourrais peut-être pas acheter tous les jeux qu'on va me demander parce qu'on veut financer le pas, mais si vous avez des clés. Ou autre, je crois que c'est ce que ça fait là, n'hésitez surtout pas. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mis sur stream, je vous confesse, my bad. C'est bien, faut t'avouer à moitié pardon, j'ai changé de taf récemment et comme il se passe des choses irréelles, bah du coup j'étais un peu efficace en principe. Alors, j'espère que ton taf c'est une bonne nouvelle, que les choses irréelles sont une bonne nouvelle également. Ouais, t'as une super qualité de stream, merci. En entrant ton casque, tu as touché ton micro, on t'entend de loin. Ah merde. Ah oui, pardon. C'est bon comme ça? Je pense que c'est revenu, excusez-moi. C'est parce que j'ai dû le baisser, j'ai dû le mettre moins devant ma bouche. Le problème, c'est que ce micro-là, en fait, il est pas super... Il y a aussi ça que j'espère, c'est... Demande d'agir, t'inquiète, elle aura payé un. Non, non, elle paye pas, je crois qu'elle... Enfin, je sais pas trop. Bon, en tout cas, elle est super gentille.
J'ai donc le son sera sans doute meilleur sur le chroma en fait, en plus de tout. Donc parce que là, si je le mets trop près, on m'entend un petit peu souffler. Ouais, je le mets comme ça. Je pense que c'est mieux. Oui, full bonne nouvelle, en gros, est mieux pour le micro. Oui. Ok, tant mieux, tant mieux. Donc voilà, donc là, là t'arrives au tout début. Je viens de commencer, je découvre complètement Assassin's Creed. Pour la petite histoire, ce soir, je voulais faire du League of Legends. Ah oui, il y a un autre truc aussi, c'est donc je fais du League of Legends, principalement, on va dire. J'ai également récupéré un compte Smurf qui était classé Silver 5 et qui va être bronze cette saison-là, pour pouvoir voir un peu ce que ça donne de jouer avant bronze, avec et contre les bronzes, et également ça va avoir un but didactique et pédagogique, on va dire, dans la mesure où je vais jouer en duo, trio, peu importe combien il y aura, parce que j'ai plusieurs viewers bronze, donc je vais jouer avec eux pour essayer de les sortir un peu du bronze, d'une part. Donc ça, c'est le côté objectif. Voilà, ça serait cool que mes viewers qui étaient bronze passent au moins à silver et qu'après ils puissent continuer à progresser par eux-mêmes, parce qu'il y en a qui sont pas forcément mauvais, mais c'est juste que ils peuvent pas carry tout seul. Alors je dis pas que je vais carry plus, mais j'ai peut-être un peu plus d'expérience ou de... Bon bref, je vais essayer de les aider en tout cas. Comme ça on va bien se marrer, et en même temps ça fait une bonne action. Et également je vais essayer de repérer un peu leurs erreurs qui font que... Parce qu'ils me disent souvent, oui mais attends, je gagne tout le temps ma lane, je comprends pas, je suis bloqué en bronze, machin. Et je vais essayer d'avoir un œil un peu critique quand je serai en game avec eux. Et bien oui, non, mais attends, ok, peut-être t'as gagné ta lane, mais t'es resté 20 minutes en top lane, ok, t'as pris 2 tours, mais nous pendant ce temps on s'est fait manger la middle lane, la bot lane, et en gros on est sur le Nexus middle lane, enfin les ennemis sont sur notre Nexus, et, pas le Nexus, l'inhibiteur, bref, enfin voilà, essayer de faire progresser un petit peu, de tirer vers le haut, genre bronze. Et donc je vais streamer un peu, et donc ce soir je voulais faire du League of Legends, mais j'ai un petit problème perso qui fait que je pourrais pas faire une partie des parties complètes suivies si je dois être interrompu 3 fois dans une game sur LoL, je vais perdre, enfin bon bref, c'est pas très intéressant. Donc là je joue des petits jeux ce soir qui me permettent de m'interrompre un peu quand j'en ai envie, et voilà, comme ça même si je suis un petit peu FK, c'est un peu emmerdant pour vous, mais c'est moins gênant au niveau du jeu, etc. Globalement c'est pareil que le silver, le bronze, en gros tu peux pas elo boost en support. Et justement je vais pas forcément jouer que support, encore que les deux games qu'on a fait hier ça s'est très bien passé, et j'étais support et ça s'est très bien passé. C'est-à-dire que après je peux prendre des supports un peu plus agressifs, etc. Et ça sera aussi l'occasion peut-être de m'entraîner à d'autres postes que support. On verra ce que ça donne. Alors voilà, j'étais persuadé que j'aurais pu sauter par-dessus. Pour continuer un peu sur le jeu, hop, mais manifestement non. Ah si, je vais sauter par là, attention, retournement de situation, waouh, nice, je savais bien que j'allais pouvoir le faire. Coucou Urshin. Ouais mais tu peux pas un V9 en sub, ben, ça dépend, si tu prends un Brand ou Zera ou... Ouais, Merdinger. Mais oui, effectivement, avec Braum, c'est pas là où je vais. Où je vais carrer. Enfin, c'est-à-dire que après, si je carré mon. C'est toujours la même chose, hein, si tu carrer ton support. Ton support, ton ADC. Youpala. J'ai très très envie de monter là-haut. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai récupéré des pouvoirs ou quoi? Je pense que j'ai récupéré des pouvoirs. Sauter. Ouais, mais je vais me faire super mal si je saute. Non, j'ai pas du tout envie de sauter. Ah oui, c'est parce qu'il me dit là, l'action que tu pourrais faire c'est de sauter, mais j'ai pas du tout envie de sauter. Là j'ai envie de sauter, pardon. Hop. Est-ce que ça te fait mal? Est-ce qu'il y a des points de vie là-dessus? Ou pas? Et je vais sauter à gauche, on va voir. Alors, ce que ça donne. Même avec Brand, tu peux pas. Déjà, si tu one-shot un mec, parce que tu peux one-shot un ADC avec un Brand, je vais essayer de sauter, voir si j'ai des points de vie, genre. Joueur désynchronisé. Ok. Donc, je peux mourir en sautant de trop.
Alors, est-ce que j'ai quand même récupéré l'espèce de truc que j'avais là-haut? Bon, c'est pas logique, mais je voulais voir ce que ça faisait. T'as chopé de l'anima, c'est du bonus en gros. D'accord. Donc là, j'imagine qu'il faut que je cours. Et que je me barre. Vos actions dans la bonne santé de ma vie et récompensent pour votre style de jeu. C'est cool. Au sein de portions de niveau, la discrétion rapporte un score plus élevé que le combat. Posez un mode de style ombre. Or, ne tuez personne et ne vous faites pas détecter. C'est ce que j'ai fait, non? J'ai vu un truc ombre. C'est quoi ces versions 2D de AC? Ça s'appelle Assassin's Creed Chronicle China. Ouais. Ah oui. Hop. Est-ce que je peux aller à gauche? Ah non. Pour vous déplacer à gauche et à droite dans une cachette, appuyez sur Q et D. Ouais, mais c'est ce que je voulais faire en fait. C'est le jeu qui m'en empêche. Hop là. Et donc t'es une fille en fait dans ce jeu. Contrairement à d'habitude où t'es un bon italien, là t'es une fille. J'aime bien être une fille. J'aime bien jouer des ninjas ou des assassins filles. Ça augmente le côté élégance et discrétion, je trouve. Le côté roseau fragile, mais totalement meurtrier. Alors. Ouais. Hop. Utiliser le sifflement. Ah. Sur G. Attends, maintenez F pour afficher la zone de sifflement, utiliser pour modifier la puissance du sifflement et appuyer sur G pour siffler. Oh la vache, c'est et heureusement que j'ai 105 touches sur mon clavier hein, parce que. Alors, F. Ah, en fait, faut faire F. C'est mon Rishia. Vas-y, go, on va grand. Voici un bouillon. Appuyez sur machin ou. Ça doit faire mal ça, non? Pour ramasser un cadavre, appuyez sur C. Ouais, mais moi je veux bien. Ah, ok. Ok. Comment je l'ai jeté comme un sac? C'est le dernier, c'est un hors-série, ou bien il n'y a aucun ADC qui est vu de côté comme ça, lol. Bah écoute, je sais pas, ça s'appelle Assassin's Creed Chronicle Chain. Donc après tu pourras assassiner au combat normalement, puis passer, pour passer. Tu as toujours le choix entre la discrétion, le combat, l'assassinat, tout est possible. Ah oui, le combat c'est genre... Bon, non, du coup ça s'appelle plus Assassin's Creed, quoi. Ça s'appelle Berserker Creed. Alors, sur le TS juste... Je viendrai voir ça plus tard. Pour le moment, j'ai mis que sur la file d'attente de LOL. Et je vais configurer tout après. Là, je fais du AC China. AC China, pardon. Toc. Donc un autre avantage aussi que j'ai par rapport au son, c'est que avant quand j'ai eu une période où j'étais avec le son de la webcam et en fait on entendait tout quand je frappais au clavier, c'était une horreur. Pour un compte le sifflement, donc ok, donc on va faire le sifflement. Chemin. Chemin. Waouh. Trop la classe. Donc j'ai trouvé une dague. Trouvez votre épée. Ok, on est parti. Ouais. Pour assassiner depuis une corniche, appuyez sur. Ah, comment je fais? Je peux pas le cacher lui? Hop.
qu'en fait j'ai l'impression que ça sert à rien de courir, elle saute bien près partout. Ne compte pas comme des meurtres pour les notes de style. Ah. Nice. Ombre, or, pour l'instant ça va. Détection, illumination qu'on a, ok. Donc je suis beaucoup sur du. Donc j'ai fait Life is Strange épisode 1, comme je l'ai dit. J'ai fait une première tentative avec This War of Mine qui s'est soldée par. Alors je suis pas allé complètement jusqu'au bout, mais ça sentait que ça pue la merde. Là j'ai commencé une deuxième partie où ça s'annonce mieux. Mais au final ça va être la merde pareil. Pour activer la vision d'aigle et voir les actions des ennemis, appuyez sur V. Itinéraire d'un garde en orange. Lui, je l'assassine. Okay. Bon, j'ai largement le temps de l'assassiner, le gars. Je vais pas pouvoir passer discrètement. Oh, quoi que si, remarque. Ah, je pourrais passer discrètement. J'aime bien dire vraiment, petit chat, les animations ont été très très bien travaillées, je trouve. Enfin, utilisez le pétard pour étourdir le garde, appuyez sur N1 pour sélectionner le pétard. Maintenez F et utilisez pour le placer, appuyez sur G pour l'éclairer la page. Après, il va y avoir une description qui va prendre tout l'écran. Alors, appuyez sur Z, ensuite le F, ensuite la parenthèse ouvrante. Vous faites 3, 2, 1, parenthèse fermante, crochet, guillemets. Alors, donc ça. F. Ah mais je vais me faire détecter si je fais ça. Pourquoi je siffle pas tout bêtement? Bon, c'est pour tester. Hein. Appuie sur G pour déclencher. Ok. Après, il faut que je me casse en courant. Ouais. Non, j'ai pas été là, j'ai été détecté. Ça pue. Ombre bronze. Ouais. Ah mais l'autre, il me dit d'utiliser un pétard aussi. Enfin, tu fous ma gueule. J'aurais dû courir un peu plus vite. Si tu es partout dans ce niveau, c'est bizarre. Ah voilà. je suis pas partout. Ah, tu veux dire que je peux passer là discrètement? Ok. Ouais. Je le sens bof, le saut de là-haut. Elle saute là? Ouais, attends. Vas-y, grimpe. Alors là j'imagine que je vais pouvoir rester accroupi, une connerie comme ça, non? Ah oui. Ouais. Munition complète, ah ok, j'ai plus ce qu'il avait marqué. Alors, il est où mon copain? Ah, ça doit être mon épée, donc j'imagine. Hein. A little distraction could help me here. Ouais, je vais attendre qu'il revienne.
Ah merde, c'est quoi? Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Eh? Bah alors, d'accord. Je peux pas assassiner. Je me suis fait avoir, tout bêtement, parce que je pensais qu'elle allait sauter. Alors, pas du tout. Je veux siffler. Moi, je voulais siffler, moi. C'est pas ça que je voulais faire. Comment on fait pour siffler? C'était bien F. C'était bien F pour siffler. Les pétards, c'est autre chose. Attends, attends, attends. Comment on fait? Je me gouré ou quoi? F. Ah, d'accord. Le brousse à la préfecture. C'est mon réussir. Ok, ouais. Donc c'est une connerie. Jusqu'où ils vont? Bon, ça va, ils t'inquiètent pas trop du fait qu'il n'y ait pas de potes. Assassine le premier direct. Si tu réagis plus vite, tu n'aurais pas vu le mec que t'as touché avec le pétard. Ouais, 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 mais bon, après... Hop. Donc là, j'ai mon épée. Ça veut dire que je peux faire quoi? Je peux attaquer direct, attaque puissance. T'en as fait tes talents avec l'épée, prépare-toi à te défendre. Pour bloquer une attaque, utilise dans la direction de l'attaquant. Et appuie sur C. Ok, d'accord. Oh putain, la vache. Ah oui, mais. Ok. Remember to look for signs your opponent is about to strike. Ah, c'est chaud avec C. Du coup, parce que. Enfin, je suis pas. Yes, that's it. This time when you block, perform a rollover. Pendant le blocage, appuie sur C pour passer par-dessus un ennemi. D'accord. Waouh. Attends, je peux pas me retourner là. Perfect. This tactic is also good to escape from combat. Ouais. Attack this enemy. Show me how you strike with your sword. Good. Standard attacks are quick, but they deal little damage. Strike the enemy harder than that. Excellent. Heavy attacks. T'as pas besoin de siffler pour le tuer le premier. Oui, oui, je sais. See, en fait. The enemy is now weakened. Finish him. C'est très violent. Quand je... Par contre, le coup du blocage. Le coup du C, je le trouve très très mal basé par rapport au fait que tu dois te déplacer en D puis C. Enfin, ça fait un peu bizarre, pour, je trouve. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de touches quand même. Pour, bref, peu importe, on va essayer de se débrouiller quand même. D plus shift. Oui, ben D plus shift pour courir. Depuis le début que je joue à ça. Vas-y. Allô? D'accord. Touchez. 1, 2, 3. Je trouve que les touches sont mal placées. Je suis pas fait du tout. Pour l'instant, c'est moi qui suis débile. Oh. Depuis tout à l'heure, je le fais, ça marche sans aucun problème. Et là. Je vais mettre 3 heures là ici. Si t'es obligé d'avoir 15 mains pour le faire, c'est chiant. Hop. Ah, je suis obligé de le faire avec la main droite. Hein. Super. Bref, je suis pas très doué. Je sais pas, c'est bizarre. Comment tu veux faire ouais, bon. Ok. On va essayer de se débrouiller.
Alors, donc là, c'est le premier vrai niveau, si je comprends bien. Accès à la base de données. C'est ça, qui est depuis tout à l'heure, il me dit c'est quoi ? Tu me dis que je suis pas le terme. Ok. Alors, trouver Gao Feng. Rejoindre la cellule, mais bien des augmentations de votre score dans le niveau. Alors, est-ce que si je fais ça. Est-ce que je peux m'accrocher là ? Ok. Tout bébé. Bon, les gardes, ils voient juste devant eux, hein, manifestement. Quand ils se retournent, ils voient absolument pas sur les côtés. Ils ont une vision vraiment en 2D. Ce qui fait qu'il y a un mec qui saute à 50 mètres 2, mais tout va bien. Ok. Alors, est-ce que... non, faudrait peut-être que j'aille le sauver quand même, le mec. Enfin, j'assassine un paquet de gens. Non ? Ah bah non. Rejoindre la cellule de machin. Assassiner le garde. Stay here. I'll get the key and get you out of there. Vie. La vision de l'aigle. Est-ce que j'assassinerai pas tout le monde au final? Je vais essayer de passer de l'autre côté. Hey. Maximum, si je comprends bien. Mission complète, formidable. Je peux faire ma vision de l'aigle indéfiniment, c'est ça? Manifestement, oui. Ouais. Ah oui, non, merde, je suis con, je suis obligé de passer par-dessus. Forcément, si je suis stupide. Bon, j'ai buté tout le monde, ce sera plus simple. Un petit manque de réactivité sur les touches. J'aimerais bien pouvoir enchaîner les touches du style j'assassine les mecs et voilà. Mais je trouve que ça s'enchaîne pas bien. Alors c'est peut-être moi qui prends encore le coup de main. Quoi ? Je pensais qu'il allait se retourner ce coup.
Hop. Ah oui. Forcément. Vas-y, ma grande. C'est pas ça que je voulais faire. Je pense qu'il est sauté directement. Non. Hop. Là, je peux le faire. Il n'y a pas d'histoire de vie ou de je sais pas quoi quand t'arrives. C'est dès que tu pourras, sois béni, assassin. Je t'en prie, ma grande. Hop. Allô? Your men did not capture me, Gaofeng. I allowed myself to be caught. I was exactly where I wanted to be. Close enough to kill you. Eh bien, manifestement, pas très joyeuse quand même. Where is the box you took from me? J'aime beaucoup ce coup de crayon. One of your tiger brothers must have it. No matter. I will find which one and retrieve it from his still warm corpse. Do you even know what the box is? I know it belongs to the Brotherhood. How naive. Thinking you can retrieve the box. Thinking that killing me will achieve anything. Killing just one of you will not give me the vengeance I seek. You are the first of the tigers to fall, but you will not be the last. Alors, score maximum de niveau disponible 300, j'ai fait combien au total? 770. Ah non. 1215, bon, c'est parce que je me suis fait voir bêtement. Combattant. Alors, combattant, ça fait quoi? Ça fait que je combats de face. Et santé accrue 550. Alors, point de 5, 0 sur 0. Fragment d'animus 5 sur 6. Ok. J'ai mangé un burger. Je te fais la liste des ingrédients de base en haut. Pain, galette de pommes de terre, confit d'oignon, steak, bacon, œufs, salade, steak, bacon, tomate, pain. Ça va, c'est cool. Part de santé de Shao Jun augmentée d'un point supplémentaire. Très bien. Changement rapide de cache depuis une cache utilisée dans la direction souhaitée. Et appuyer sur utiliser dans la direction souhaitée. Puis en revenant dans la prochaine cache disponible. Ok. Couteau lancé. Pour sélectionner le couteau lancé, appuyez sur Z. Non, sur 2. 2. La touche 2. Visez en maintenant F en utilisant souris lorsque vous êtes prêt à appuyer sur G. Ah vache! C'est une lag ou quoi? Je suis déjà perdu là, les pétards, le machin, le truc. Fléchette à peau. Sélectionnez la fléchette à peau en appuyant sur OK. Visez. Alors par contre, l'esperluette, le 1, ça sert à quoi? Parce que j'ai pas vu du coup. Visez en maintenant F lorsque vous êtes prêt à appuyer sur G. Ok. Et on va tester. Pressionner un carillon et ouïe. This was once a safe place for us assassins. Sangyong's tigers saw to the end of that. Their forces surprised and overwhelmed us, all but wiping out the Brotherhood. Gaofeng's death will send a message to the Templars. The assassins have returned. Trop bon, mais si ça avait été moi à la place d'un texte, j'aurais mis du poulet frites. Ah bah, fallait le demander. Hein. Alors, après la mort de Gaofeng, Shao Jun doit fuir les vastes grottes et les falaises de l'ancien empire assassin, vu que la tombée découvre le décès d'un de leurs maîtres. Amélioration, vision d'aigle étendue, nombre de couteaux de lancer accru. Récupérer l'emploi des assassins, pour continuer à appuyer sur espace. Alors. Ah, pour l'instant, j'ai pas de couteau, c'est ça? Ok.
Où est-ce qu'il y a des perdus? Je sais pas, moi. Si je sais, mais... Allez, saute. Bon, c'est quoi? C'est le sifflement, c'est... Hein? Ah ouais. C'est le sifflement. Le pitting. Time to become more familiar with my surroundings. Les objets collectés. Pour exécuter un 5 d'aigle, une 5 appuyée sur C. Ouais. Que ouais. Alors donc. J'ai zoom avant. Il faut que je saute où là? Voilà. J'y vais, moi aussi, c'est de tout fouiller pour avoir les améliorations. Ok, merci beaucoup. Alors, attends, les jambes. Fragment d'un coffre animation. Ah oui, en fait, ah d'accord, en fait. Appuyez sur espace. Ah oui, là, c'est plus un saut de la foi, là, c'est du... D'accord. Je sens que j'ai énormément de mal à passer cet endroit là. 发现什么了吗？什么都没有。你呢？没有，什么都没有发现。Attends, si. Faut que je fasse genre ça. F. 发现什么了吗？什么？抓住他！哈！嗯。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 
pas bien. Ceux-ci sont cachés derrière les portes closes. Allô? Allô? Ah merde, ça c'est chiant ça. Tadou, Routinja! À chaque fois, j'essaie de faire la parade, mais j'y arrive pas. C'est pas du tout ça que je voulais faire de manière. Ça tombe très bien. J'ai un gros problème quand même de je sais pas quoi. Alors c'est pas ça que je veux faire. Je voulais passer tout en discrétion. Est-ce que je peux les jeter là? Ça c'est la. Hop. C'est ça que je voulais faire. Ah merde, j'appuie sur espace, quel connard! Je suis nul à chier. Allez, on va y arriver. J'ai beaucoup de mal avec les 15 000 touches là qui sont placées de manière pas du tout intuitive par rapport à la défense. Je change ça sur vous. Ah merde. Si je sors de là. Hop. Donc on peut pas tellement sauter par là, on va aller par ici. Hop. Statue du mont, accès à la base de données. Okay. Le
cas, les déplacements sont jolis, je trouve. Est-ce que je peux passer dessus, non? Yep. Yep. Le petit chat. Coucou, Laurentin. Appuyez sur 2. F. Ok. Bon. Ouais. Alors, bon. C'est mon rejet. Je n'ai pas eu de droit. C'est mon rejet. Timbal! Sauter. Oh là, j'aime. Oh là là, j'aime déjà pas ce AC. Ah. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que. Moi, je découvre en fait. Hein. C'est juste qu'on. On me l'a offert et je découvre un peu. Comment sont. En fait, je découvre déjà les Assassin's Creed et je découvre celui-là. Moi, j'aime bien l'ambiance poétique. Après. Après, je sais pas les vrais AC, ce que ça vaut. En fait, c'est que ce soir, je vais pas pouvoir stream du League of Legends parce que j'ai un peu peur d'être interrompu quand je veux. Enfin, pas justement pas quand je veux. Mais bon, je vais dire ça et je serai évidemment pas du tout interrompu de la soirée. Mais je prévoyais une grosse interruption de service et au final, même pas forcément. On verra ça. Annonce, c'est bon. Ouf. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te faisait peur en fait? Couteau de lancer récupéré. Alors, tout en escaladant. Bon, ça tombe bien. Ça? Bon, c'est pas ouf ce que j'ai fait. Il y a plein de trucs. J'ai cru que c'était un assez fou l'infiltration et en 2D. Mais il est en 2D, enfin en 2D, 3D, on va voir. Coucou I'm Listology, j'espère que tu vas bien. C'est pas fou l'infiltration, c'est de l'assassinat, mais pour l'instant je suis une merde. Est-ce que je peux leur faire tomber sur la gueule? Ça c'est la question. Nous allons tout de suite. À laquelle nous allons tout de suite répondre. Ok. Ah, par contre, il y a une zone de renfort, c'est ça? Ah, mais on s'en fout de la zone de renfort. Hey, Ni! Quoi, Jiao Yunjun! Jolly! T'as Jolly! Que vous me dites, il y a un chat de Yunjun! J'ai eu trop peur, je suis un grand fan des AC. Ah d'accord. C'est pas ça que je voulais faire. Il faudrait qu'en fait il faut que j'aille beaucoup plus vite. Toc 2. Je vais les écraser.
assez China, tout à fait. Je découvre complètement. Et pour l'instant, j'avoue que j'ai un peu du mal. Je vais les récupérer. Hein? Je vais récupérer mon couteau. Ah non, je peux avoir qu'un seul couteau. Enfin, c'est une réserve d'un seul couteau. Okay. Je les ai tous faits à part celui-là et le dernier. D'accord. Il va pas me laisser passer cet enfoiré, c'est ça? Vas-y, viens toi maintenant. Dans ton cul. Alors, par contre, on va quand même placer les corps. Merde. Ça, c'est chiant, ça. Il y a des trucs. Hein. Hop. Est-ce qu'il y a vraiment besoin? Est-ce qu'il y a vraiment besoin? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des trucs à y récupérer? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses là. Par exemple, là, comment on fait pour aller là-haut là? Je voudrais pouvoir aller là-haut. Et manifestement. Ok, ok, j'ai compris. Combattre en bronze, ça va. C'est fou de ma gueule ou quoi? Tu es à quelle époque? A priori, je sais pas exactement. J'ai pas retenu la date précise. Voyons un peu tes réflexes. Appuie. En vue, ce qui est un projectile, c'est en ligne de visée. C'est en ligne de visée? Still sharp, I see. Try again. Good work. Close for the kill. Ah merde. Voilà. Excellent, Zhao. Your training. Pour le situer, bah c'est la Chine médiévale. Donc. Ça doit être 2020, un truc comme ça. Tout à l'heure j'ai vu des drones. Je sais pas si c'est normal. J'ai du mal à réagir parfois. Faut être vraiment dessus. Oh. C'est un peu bizarre. On peut pas aller par là. Rouleau. C'est quoi les rouleaux alors? 1505, bah voilà, tu vois le truc sous capture hein, qui est élevé dans le monde. L'art de. Hop. Ok. C'est le complexe récupérer les roues des assassins. Toc. Ah, attendez deux petites secondes, je reviens.
été formé par Ezio. Oui, alors pour ceux qui sont fans, j'ai l'impression que c'est quand même bien dans l'univers. De manière, je crois que Assassin's Creed, ça fait partie des nombreuses licences où t'as une quantité de fans impressionnante qui doivent attendre au tournant les mecs dès qu'ils sortent un jeu, donc ils n'ont pas intérêt à trop se louper. Alors, posez une corde, appuyez sur Z. Petit truc caché, non? Vous déplacez sur la falaise. Est-ce que je peux aller récupérer des trucs en dessous ou pas? Non, après je vais mourir, ok. Les roues du deux bras de haut des révolutions. Hop. Ah, révélation. Parce que révolution, ça faisait un peu. Truc de zombie et tout. Est-ce que c'est vraiment par là que je dois aller? Parce que là, je peux pas sauter, non? Je peux. Pourquoi je peux pas courir? Là par exemple, là c'est chiant. Ah non, d'accord, ok. Ah, mais faisons ça, celui-là. Utilisez la flèche à peau pour éloigner le lien du tas de foin. Appuyez sur F pour viser et G pour l'expédier. Ok. Shiba! Shiba! Shiba, c'est bon. En même temps, c'était bon, juste pour tester quoi. Parce que... Est-ce que je peux le mettre dans le foin, le garde? C'est ça qui est important. Nice. C'était vraiment juste pour apprendre à utiliser le truc parce que j'aurais pu l'assassiner directement. Sur DS par contre, ah oui. Dans les combats d'émission, la cellule blanche disparaît, ceci indique que vous avez été aperçu par l'ennemi. Sur DLS, il était moche. Bah là, moi, je le trouve plutôt joli. Enfin, il a une patte graphique que j'aime bien. Faut que j'essaie d'explorer un peu partout. Là, il est très beau, ouais, ouais, j'aime bien. Par contre, c'est chiant ça, le coup de l'assassinat. J'aurais dû pouvoir l'assassiner depuis les buissons, et ça n'a pas fonctionné manifestement.
Allô? Oui, ok. Ah merde, c'est pas ici que je suis quoi. Donc là je suis juste à 5 mètres 2, le mec, rien à péter. Non, c'est quoi, c'est 2. Hop, et j'ai. Sur des, c'était pas le même jeu, c'était en rapport avec le 1. Ah ok. This is where we used to keep the Assassin Scrolls. I should try to retrieve as many as I can while I have the chance. Allô, ça me souvient le coup de je peux pas sortir à enchaîner les trucs. Faire fermer sa gueule au chien. Je peux pas, je suis obligé de foncer comme un débilos. Ok, bon, je vais assassiner lui déjà. Là, je peux pas le jeter là. D'accord, c'est pas grave. Appuie sur C, orienté à gauche et droite permet de venir d'une échelle dans la direction souhaitée. D'accord. Ouais, j'ai failli faire une connerie. Tenzhu! Tenzhu! Chao Jinzhu! C'est tout ce qui fait assez, mais en 2D c'est trop stylé. Mais tant mieux que ça te plaise. Comment on fait? Ah non, c'est C plus droite, c'est ça? Oh putain, j'ai encore un peu de mal avec les touches là de DC. La touche C pour esquiver est extrêmement mal foutue. Mais c'est parce que je suis nul. Je pense. Mais la touche est vraiment hyper mal foutue. Ça me brille un peu la lumière. T'as pas de lame secrète. Je sais pas ce que c'est qu'une lame secrète, mais a priori non. Par exemple, là, voilà. Là, c'est super chiant. Hop. On va essayer d'aller vite. Allô? Faut le maintenir longtemps. Attention,
对付你太轻松了。Ils sont capables de monter l'échelle. En gros, tous les assassins ont une lame cachée dans leur manche. Oui, pour l'instant, j'en ai pas. J'ai pas bien compris comment faire pour C et orienter gauche-droite. D'accord. Au début, l'un des assassins de Noah, pour faire sortir l'âme de l'histoire, fait se faire couper la quatrième gauche, oublié son nom. L'auriculaire. Ça dépend de quelle quatrième gauche tu parles, si tu prends le pouce ou pas, mais. C'est celui-là ? L'annulaire. Alors est-ce que je peux revenir là? Hop. C'est dernier. Oui, non, excuse-moi, je pensais que tu parlais de ces doigts-là, mais en fait, tu incluais le pouce également. Alors, hop. Alors, j'ai deux rouleaux. Donc il est pas du tout là, il est là-bas, ok. Toxique. J'espère que tu vas bien. Alors c'était ici donc hein.
Ah, ok, donc c'est pas du tout par ici que je peux y accéder. Vas-y, viens, viens, je t'attends. Ah merde, je vais préparer celui-là. Ah, mais je pars pourtant. Ah non, c'est dans la direction. À chaque fois, j'appuie sur espace comme un Google. Récupérer les rouleaux. Oh non, ils sont sérieux là. J'ai zéro rouleau. J'ai zéro rouleau donc. C'est une gueule, bien. Ok. Comment je fais pour y accéder ici là? Passer par l'autre côté? Appelle-moi Niki ou Nikita, s'il te plaît, Niki Toxique, ça fait débile. J'y peux rien si c'est ton pseudo. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai tous les récupérer alors que j'ai déjà tué tout le monde. Petit peu étrange comme. Assassiner lui tranquillou. Allô. On在等你现身. Fuir les grottes. Je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode d'Assassin's Creed. Je vais peut-être avancer un petit peu d'Histoire of Mine, que je trouve un peu compliqué comme jeu. Enfin, compliqué dans le sens où plein de touches à... Après ça viendra peut-être, hein, mais... Oh.
super musique. Les fameux canaris de combat. Le mec vient de m'expliquer un truc. Oui. Il vient de m'expliquer un truc. Et comment je fais pour donc péter la gueule au bidule? Oh non! C'est sérieux là? Putain. Genre j'enregistre un truc, ils viennent quand même me faire chier avec la mission. Bon. Non. Faut que je fasse ça comme ça. Allez, saute. On va aller vite récupérer les trucs. Merde, j'ai tué tout le monde. Ah non, j'étais pas tué tout le monde. Ouais, salut les moches. J'ai pas le temps de niaiser comme ils disent. Alors maintenant, on va faire gaffe au petit colibri. Si on a bien compris comment fonctionnait le jeu. Je fais comment là par exemple pour contourner la cage? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment je fais pour contourner la cage? Ok. Ah mais je l'ai évité là, merde, putain. Comment je fais pour contourner cette putain de cage? Je peux pas éviter celle-là, je suis obligé de la prendre. C'est pas grave, je vais commencer à connaître le niveau par cœur. D'ailleurs si je connaissais vraiment par cœur, je serais parti directement. Voilà.
谁想得到，刺客的老家原来这么适合囚禁那些违抗张勇及八虎宦官的人呐！刺客们全都死了，中国终于可以和平顶了。 J'aimerais arriver à fuir les grottes, ça serait pas mal quand même, j'aimerais bien. Et j'ai toujours pas compris comment faire pour éviter ces putains de cages à oiseaux. La deuxième cage à oiseaux. Il devait y avoir un truc. Donc j'ai perdu un couteau. Il vaut mieux ouvrir l'œil. Ouais. Ah, peut-être qu'il faut attendre qu'ils enlèvent la cage à oiseaux, une connerie comme ça, non? Est-ce qu'il y a un moyen de passer autrement qu'en étant bourrin? Je peux pas, hein. Je suis obligé de passer en me faisant avoir, hein. À quel moment est-ce que le jeu sauvegarde par contre? Est-ce que genre je peux sauvegarder, recommencer le checkpoint? Ah non, j'ai peur de... Et...
Ah oui, là il faut que je fasse le couteau. Ah, j'ai toutes les munitions. Que je voulais faire. Je veux grimper. Essayer de le buter lui. Comment je fais pour passer ces putains de cages à oiseaux? Quand même obligé de faire un truc quoi. C'est louche. Pourquoi ne me t'en mets pas? Alors, comment on fait? Stamina. Les cachettes, quand je suis le long de la falaise, j'ai l'impression que on peut rien y faire. Bon, barrez-vous, c'est chiant. Hein. Parfois. Où j'ai tué le mec directement. Hop. Ok.
Saute. Ramasse ton corps, mon gars. On va assassiner tout le monde, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Saut de la foire, c'est ça. Boum. Je vais m'arrêter là. De toute manière, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde. Est-ce que je me trompe? Is it done? Gao Feng is dead, Sifu. As is Ma Yongcheng. Ma Yongcheng. Butcher. Good. Our plan worked. Who's next? Patience, sister. We must move carefully. Zhang Yong and his tigers control the Empire now. He's down two tigers after tonight. Gao Feng did not have the box. I did not retrieve it in time. Worry not, young one. We knew that was a risk. To allow yourself to be captured without the box would have meant certain death. We will get it back. Maybe the Templars will even lead us to the missing piece. Perhaps. But now I'm afraid we have just given our enemies a dangerous weapon. Take some rest, little sister. Together, we will free our land from the Templars and their pawns, Zhang Yong and his tigers. We will rebuild our brotherhood. Est-ce que je peux me mettre un tout petit peu plus loin au niveau de la scène? Ça aurait été pas trop mal. Voilà. Je pense que c'est pas trop mal. Alors, score maximum de niveau d'une... Ouais, c'est pas ouf. Vision d'aigle étendue. Sachant qu'on va utiliser suspension. Appuyez sur Q pour déplacer l'assassin à gauche. Appuyez sur C pour déplacer l'assassin à gauche. Lorsqu'une occasion d'assassin permanente, maintenant, elle contrôle le glisser sous le surplomb. Bon, elle est où? J'arrête là, Macau. Je pense. By day, a bustling port. By night, a hub for the Templars to trade those who oppose them into slavery. I have located the box, Xiaojun. It's in the possession of Yu Deyong, another of Zhang Yong's tigers, the one they call the Slaver. So he is responsible for this cruelty. I shall pay him a visit. Tread lightly, sister. The Templars are searching all ships and cargo. They are looking for us now. I know you can kill these lesser men with ease, but I would suggest you remain invisible, a ghost, until you find your target. Ok.
Ok, donc là il faut être full. Tuer les trois informateurs des Templiers. Bon. En tout cas, il est très joli. Pas très facile, je trouve, mais. Mais bon, il est sympa. En fait, c'est plus les touches qu'il faudrait que je fasse. Je sais pas trop quoi faire. Ouais, peu importe.